Salut à tous, c'est Automatisme YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Air Info, comme tous les mardis, c'est parti, mon kiki. Mauvais pour la planète, mais moins cher et plus rapide, le succès des vols intérieurs low cost. Pour aller voir sa famille à Montpellier, Sandrine, qui habite à Nantes, en Loire-Atlantique, préfère prendre l'avion. Et ses raisons sont principalement économiques. J'ai fait des allers-retours pour 150 € dans le sud, pour le week-end, en train, on est sur 200-300 €, justifie-t-elle, tout en étant consciente de l'impact environnemental de son choix. Souvent moins cher et plus rapide que le train, l'avion réussit à s'imposer pour les trajets entre deux villes en France métropolitaine. Pour relier Nantes à Montpellier, les passagers mettent 1h20 par les airs, contre 6h30 en TGV et plus de 7h par la route. Et ils sont nombreux à plébisciter l'avion pour leurs déplacements en région. Rien qu'à Nantes, le nombre de passagers empruntant un vol intérieur a augmenté de 50% en seulement 10 ans. Derrière ce succès se cachent notamment des compagnies low cost, comme EasyJet ou Volotea, qui a d'ailleurs dépassé Air France et devenant la première compagnie aérienne en France sur les vols intérieurs. Oui, parce qu'apparemment, Volotea, apparemment, ce serait la première compagnie aérienne en France pour les vols intérieurs, apparemment. Des trajets sans passer par Paris. Ces compagnies permettent de voyager d'une grande ville à une autre sans passer par Paris. Aujourd'hui, 92% des TGV desservent l'agglomération parisienne, ce qui peut allonger des trajets de certains voyageurs ne souhaitant pas passer par la capitale. Une voyageuse rencontrée par TF1 assure justement que s'il était plus facile de voyager en train sans passer par Paris, son choix porterait davantage sur l'option ferroviaire. L'aéroport de Nantes, lui, propose 13 vols directs dans toute la France en évitant Paris. Et ce n'est pas le seul atout de l'avion par rapport au train. Comme mentionné dans le reportage de 20h visible en tête de cet article, nos journalistes, donc les journalistes de TF1, ont effectué une simulation pour un trajet Nice-Biarritz, prévu le 2 octobre, afin de savoir quelle option entre le train et l'avion était la plus avantageuse en termes de coût et de temps. Le trajet le plus rapide proposé sur le site SNCF prévoit de faire Nice-Paris, puis Paris-Biarritz, pour une durée totale de 12 heures, écoutez bien, de 12h19. Voilà, il faut 12h19 pour faire Nice-Biarritz en train, en passant par Paris. Le tout coûterait 154 €. De son côté, une compagnie aérienne low cost propose un vol direct en seulement 1h30 pour 38 €, soit 4 fois moins cher que le train. Une grande différence de prix entre l'avion et le train. Comment expliquer de telles différences de prix? Pour le comprendre, il faut se souvenir que le kérosène est très peu taxé et que les aéroports bénéficient de nombreuses aides publiques. Certaines collectivités peuvent aussi encourager leur destination touristique en subventionnant directement les compagnies aériennes. Les aides publiques peuvent aller jusqu'à plusieurs dizaines d'euros par billet, voire des centaines d'euros par billet, affirme Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique du transport. L'État subventionne d'un côté et tente de réguler de l'autre. Un décret publié le 23 mai 2023 au Journal officiel interdit les vols intérieurs s'il existe une alternative en train de moins de 2h30. Toutefois, cette mesure ne concerne aujourd'hui que 3 destinations, Bordeaux, Nantes et Lyon au départ de Paris. Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie aérienne africaine. La compagnie aérienne africaine Ethiopian Airlines se démarque en tant que la plus grande et plus prestigieuse du continent. Fondée en 1945, elle a son siège à Addis Abeba, en Éthiopie. Grâce à une expansion stratégique et une gestion avisée, la compagnie a acquis une renommée mondiale pour son excellence opérationnelle, son réseau de destinations étendu et sa flotte moderne. Ethiopian Airlines est reconnue pour son engagement envers la sécurité, la qualité des services et l'innovation. Elle a été l'une des premières
compagnie a opéré le Boeing 787, démontrant son souci constant d'adopter des technologies de pointe pour offrir une expérience de vol exceptionnelle. Son programme de fidélité Cheba Miles récompense les voyageurs réguliers avec des avantages exclusifs. En tant que transporteur national de l'Éthiopie, la compagnie aérienne joue un rôle essentiel dans la connectivité du pays avec le reste du monde. Elle dessert plus de 125 destinations internationales sur tous les continents, ce qui renforce sa position en tant que hub majeur pour les voyageurs internationaux en Afrique. L'aéroport international Bole d'Addis Abeba, où elle opère principalement, est devenu une plaque tournante majeure du transport aérien. Outre sa performance opérationnelle, Ethiopian Airlines s'efforce également de contribuer au développement social et économique de la région. Elle participe à divers projets de responsabilité sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et de la préservation de l'environnement. Le succès d'Ethiopian Airlines repose sur sa gestion efficace, sa culture d'innovation et son engagement envers l'excellence. En tant que fierté de l'Afrique, elle continue de hisser haut les couleurs du continent sur la scène mondiale de l'aviation, en offrant des voyages aériens sûrs et de qualité, tout en contribuant au développement durable de la région. Ligne aérienne Quimper-Paris-Orly. La fréquentation trop basse rend la situation insoutenable. À peine 12 000 passagers en 2022 sur la ligne entre Quimper et Paris-Orly. C'est insuffisant pour Loïc Génessé-Girard. Il confirme que la région stoppera son soutien à ses vols. L'arrêt de la ligne aérienne entre Quimper dans le Finistère et Paris-Orly a fait réagir la pointe bretonne ces dernières semaines. Dans un communiqué, Loïc Génessé-Girard persiste et signe dans un communiqué. Le président du conseil régional de Bretagne n'entend plus participer au financement de cette liaison après novembre 2023. Reprise insuffisante du trafic. Il invoque plusieurs arguments et en premier lieu la fréquentation de ses vols. Depuis février 2022, j'alerte sur le devenir de la liaison aérienne Quimper-Orly, dont la fréquentation trop basse rend la situation insoutenable. Il précise qu'en 2022, la ligne n'a accueilli que 11 813 passagers. Et de poursuivre, il est toujours indiqué que la région poursuivait son engagement sur cette liaison au-delà de novembre 2023, à condition d'une reprise suffisante de trafic. Pour rappel, en 2017, la fréquentation sur cette ligne frôlait les 75 000 passagers. Vous rendez compte, en 2017, il y avait 75 000 passagers et en 2022, il n'y en avait que 11 000. Combien ça coûte ? Pour mémoire, cette liaison fait l'objet d'une obligation de service public depuis le départ de la compagnie Hop en 2019. En clair, elle existe grâce à des subventions publiques. Parce que jusqu'en 2019, c'était la compagnie Hop, donc Hop, c'est la filiale d'Air France, mais qui a arrêté cette ligne en 2019. En 2019, le coût a été fixé à 3 millions d'euros par an sur 4 ans. L'État et la région ont versé chacun 1,2 million d'euros, le reste revenant au conseil départemental du Finistère et à Quimper-Bretagne-Occidentale. À l'époque, cette OSP devait préserver l'accessibilité de la pointe bretonne et maintenir l'attractivité économique du territoire, notamment aux yeux des entrepreneurs. L'État et les collectivités tablaient alors sur quelques 80 000 passagers par an. Une fréquentation essentiellement touristique. 4 ans plus tard, le président de la région dresse un tout autre constat. Nous savons que les entreprises de Corunaï vivent et se développent sans avoir recours à la ligne vers Orly. Sinon, les chiffres de fréquentation seraient bien supérieurs à ceux que nous connaissons actuellement. Avec 58% des passagers l'utilisant pour motifs personnels, cette liaison est devenue désormais essentiellement touristique. Loïc Génessé
Girard indique que la région continuera à tenir ses engagements jusqu'en novembre 2023. Voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère que ça vous a plu, hein. Donc demain, on se retrouve pour une toute nouvelle série, notamment la série Histoire Playmobil, la vie au camping, oui. Vous allez voir, donc ce sera, il n'y aura pas la famille Saint-Louis dans cette série, mais vous allez voir, c'est une toute nouvelle série. Une série qui va être filmée dans un grand camping Playmobil, voilà. Donc le camping que je vais vous filmer, ce sera exactement le même où a été la famille Saint-Louis, c'est le même camping où la famille Saint-Louis a passé ses vacances, mais la famille Saint-Louis ne sera pas là, parce que la famille Saint-Louis, je vous rappelle que la famille Saint-Louis est partie à Miami, voilà, la famille Saint-Louis est partie à Miami, et mais comme la famille Saint-Louis est partie à Miami, vous ne la verrez pas, c'est simplement la famille Saint-Louis dans cette série, mais c'est simplement une deuxième série Playmobil, voilà. C'est une deuxième série Playmobil où vous verrez la vie au camping, simplement, voilà. C'est le nom de la série. La série va s'appeler comme ça, Histoire Playmobil, la vie au camping. Et cette série durera jusqu'à début septembre, tout simplement. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, la série normale, la série Histoire Playmobil, la série Histoire Playmobil normale avec la famille Saint-Louis, elle va également continuer pendant tout le mois d'août, hein, vous inquiétez pas, voilà. L'histoire Playmobil, la série Playmobil avec la famille Saint-Louis va continuer. Mais il y aura une deuxième série en plus, ce sera la vie au camping. J'espère que vous avez bien compris. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'avenir de la série, simplement. Allez, on se retrouve demain pour le premier épisode de cette deuxième série Playmobil. Allez, bye bye tout le monde. En attendant, j'espère que cet épisode d'Air Info vous a plu. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories.